suis ingénieure de conception en informatique de formation. Et actuellement, je suis cofondatrice et responsable d'une plateforme de vente en ligne de produits locaux transformés qui s'appelle Soretul. Soretul est un mot wolof qui exprime la notion de proximité. Donc, nous l'avons créé en fait pour répondre à un besoin spécifique. C'est que les femmes qui transforment les produits locaux transformés habitent dans des zones reculées au Sénégal et ont peu de moyens pour commercialiser leurs produits sur le marché national et international. Soretul a été créé par un groupe de jeunes ingénieurs de conception en informatique qui, en fait, dans une chambre d'étudiants, ont pensé à cette idée-là parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous aimions bien acheter les produits locaux transformés. Et malheureusement, nous ne savions pas où les trouver. Donc c'est là que l'idée nous est venue de créer une plateforme pour permettre à tous les Sénégalais qui vivent ici ou bien les Sénégalais de la diaspora de pouvoir disposer de ces produits tout le temps. Nous faisons des jus, des sirops, de la confiture, des conserves, mais nous faisons aussi des céréales. Nous le transformons en couscous tchéré, en chakri, en brisure de mil, sankal, en brisure de maïs. Et nous faisons aussi le harao pour les bouillons. Pourquoi Funti? Funti, c'est le nom de ma grand-mère. Et mes produits, la marque, le label, c'est Fatou. Fatou, c'est ma maman. Travaillons avec le monde rural. Nous avons des contrats avec les producteurs de femmes qui sont au niveau du monde rural, qui produisent la matière première comme le bissap. Nous distribuons nos produits au niveau local et nous exportons nos produits dans la diaspora. C'est une plateforme de e-commerce. Donc, si on dit que e-commerce, il y a la notion de catalogue de produits qui revient. Et une personne peut se connecter sur notre plateforme, choisir les produits qui l'intéressent, ensuite faire le check-out de son panier et payer à la livraison. Maintenant, bon, Funti Service travaille aussi toujours dans la perspective de l'atteinte des objectifs que je me suis fixé, c'est-à-dire faire la promotion des produits locaux, mais aussi contribuer à la création d'emplois dans ce milieu où j'ai eu à exercer, où je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc elle est basée ici dans la banlieue de Dakar, à 14 km du centre-ville de Dakar, et c'est dans une zone de banlieue, de grande banlieue, où il y a énormément de problèmes, de difficultés, problèmes socio-économiques, où il n'y a pas d'usine, il n'y a rien, les gens sont obligés de créer des activités pour s'en sortir. Mais nous avons dit non, nous avons dit dans la première phase du projet, nous travaillons avec des structures de transformation de produits locaux qui sont ici à Dakar. Et ces femmes sont des chefs d'entreprise qui travaillent avec des groupements de femmes dans la région et aussi dans les zones rurales. Donc elle s'active beaucoup plus dans le domaine de la transformation de fruits et légumes, de céréales locales. Traditionnellement, la transformation, elle a été faite tout le temps par les femmes. Et ça a été considéré comme un travail traditionnel normal que les femmes fassent. Mais avec le temps aussi, on a vu que progressivement, avec des pionnières qui se sont lancées dans cette activité, qui ont fait leurs preuves, et ouvrir des entreprises dans ce domaine et créer des emplois, il y en a qui sont commencé à s'intéresser à ce volet de transformation, à ces entreprises de promotion des produits locaux. Nous travaillons avec Soretoul, je trouve que c'est assez important. Les gens avaient l'habitude de vendre les produits dans les boutiques, dans les supermarchés, mais on sait que maintenant la vente en ligne se développe. Forcément, nous avons signé un contrat avec Welty Mansour et tout, qui vend les produits de Maria Distribution et qui vend bien aussi les produits de Maria Distribution. Je pense que c'est un nouveau marché pour les produits locaux d'être vendus en ligne. Là, ça permet quand même un développement au niveau national et au niveau international pour les produits du terroir. Donc, ma relation avec Soretoul a permis d'être visible dans un autre espace, de toucher d'autres cibles, d'autres catégories de cibles, mais aussi un grand plaisir de travailler avec des jeunes. Parce que jusque-là, les jeunes au Sénégal ne croyaient pas beaucoup à la transformation. On a des difficultés certes parce que c'est une start-up que nous avons créée. Il y a des blocages. Ce qui concerne le e-commerce, c'est relativement en fait tout ce qui est gestion de la logistique, gestion de stock et aussi nous assurer que le client est satisfait après livraison du produit. Le problème c'est l'emballage, le packaging parce que la vente en ligne quand même c'est une ouverture, ça il faut le reconnaître. Tout le monde rentre dans le TIC, dans l'internet, il voit les produits, des fois il y en a qui le veulent en miniature, il y en a qui le veulent sur certaines contenances. Et le packaging en verre est plus prisé dans la commercialisation des produits en ligne. Et au niveau national, nous n'avons pas d'unité de fabrication de verre. Actuellement, au Sénégal, le e-commerce se développe beaucoup. Il y a beaucoup de sites de e-commerce et il y a même de grands groupes qui sont installés au Sénégal dans le domaine du e-commerce. Donc nous sommes des jeunes entrepreneurs, nous évoluons dans ce domaine-là et nous pensons réellement que d'ici quelques années, les Sénégalais seront beaucoup plus des adeptes de l'achat en ligne. Le secteur peut s'agrandir dans les prochaines années si quand même les contraintes que nous avons sont levées et qu'on ait la possibilité de trouver aussi des financements, disons, dont les taux d'intérêt sont assez raisonnables pour pouvoir développer le secteur de la transformation des produits locaux au Sénégal. S'il y a l'implication de l'université, la relation public-privé qui est bien renforcée, développée, la valorisation du savoir-faire traditionnel. Et cette relation université-privée, si c'est renforcée, et l'implication des privés avec l'ouverture de filières dans le domaine de l'agroalimentaire et la transformation, forcément les jeunes trouveront de nouveaux secteurs où ils peuvent s'insérer.